great is thy faithfulness, grande est ta fidélité, une interprétation de notre violoniste. On va commencer déjà par le commencement. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans votre émission Adorons le Seigneur, une émission où nous adorons le Seigneur en esprit, en vérité. Et comme vous l'avez constaté, nous avons un invité très très particulier puisque nous avons avec nous un violoniste professionnel. Donc, nous avons avec nous Alcides Maestre Blanco. Bonjour à vous, merci d'avoir accepté notre invitation. Bon, je me présente, je suis vénézuélien, c'est pour ça que mon accent, c'est pas vraiment français, mais j'ai quelques années ici. Je suis venu pour faire des études de français tout d'abord, mais après, bon, j'ai resté ici. Et je suis musicien et j'ai commencé comme un projet ici d'orchestre. C'est ça que je fais au Venezuela. Et j'étais 6 ans dans ce projet-là. Et après, maintenant, je donne des cours dans l'éducation musicale. Mais toujours dans mon corps, c'est un projet plus que le professionnel, c'est le projet missionnaire musical. Qu'on attend encore pour développer. D'accord, donc ça fait 6 ans que vous avez travaillé sur un projet d'orchestre, si j'ai bien compris. Ici, en France. Oui, et maintenant, vous êtes vous avez en optique de travailler sur un projet missionnaire. Oui. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez un petit peu nous raconter comment vous avez rencontré Christ et comment vous avez découvert la musique, si je pourrais dire? Oui, je fais la musique pendant presque toute ma vie. Et depuis que j'étais très jeune. Et c'était un projet national, on va dire, dans mon pays. Un projet qui s'appelle Sistema. L'État vénézuélien essayait de mettre en place dans toutes les villes, tous les petits villages, de mettre en place un projet d'orchestre. C'est-à-dire tous les instruments, cuivre, bois, cordes, percussion. Et j'ai habité à l'époque dans un petit village qui était très éloigné de la capitale, mais le projet est arrivé. Et à partir de ce moment-là, je commençais à faire mes études de musique. C'était à l'époque rare de le petit village faire un projet comme ça. Et après, on a profité pour faire la musique dans l'église. Il y avait pas mal de chrétiens qui faisaient la musique à l'orchestre. C'était le projet, ce n'était pas un projet chrétien, c'était un projet de l'État. Oui. Mais on a profité pour se préparer, pour jouer, pour apprendre à bien jouer les instruments. Et après, j'ai passé des années mais à la capitale, Caracas, en jouant mon violon. Et après, je suis devenu chef d'orchestre. Et à partir de ce moment-là, mon travail, c'était plutôt de créer orchestre. D'accord. Et dans ma région, je créais plusieurs orchestres. Et je n'ai pas joué... Pas beaucoup joué le violon pendant des années, mais maintenant je commence à reprendre le violon pour jouer pour le ministère missionnaire. D'accord. Et je ne joue plus dans un orchestre, je dirige, plutôt je vais créer des orchestres et donner des cours, mais en même temps, j'essaie de mettre en place un projet missionnaire en Afrique. En Asie, et on était déjà à 3 pays de l'Asie, à Bangladesh, en Inde, aussi aux Philippines, aussi aux Philippines, et Pakistan. Wow. Et après, en Afrique, on était en train de mettre en place le projet en Ouganda et au Kenya. J'ai beaucoup de contacts maintenant en Afrique pour développer le projet.
Et mon grand rêve, c'est de mettre en place le projet en Côte d'Ivoire. Oui, et est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu en quoi consiste ce projet? Bon, le projet, c'est d'utiliser la musique comme un moyen de prêcher l'évangile. D'accord. Parce que ce que je reçois dans mon corps, que parfois on prêche beaucoup et on parle à beaucoup, mais on fait des campagnes évangélistiques, mais ça reste très peu de temps, peut-être une semaine, peut-être deux, peut-être trois. Mais quand on apprend dans un instrument, quand on commence un travail dans un quartier, je crois que c'est plus durable. Plus durable. Et j'essaie de montrer à la église, de montrer qu'il y a une opportunité de préparer pas seulement le musicien dans les églises, sinon servir des ponts, comme un pont entre la communauté et l'église pour attirer l'attention des enfants et des jeunes. D'accord. Et à partir de là, on peut commencer à faire un travail d'évangélisation. Oui, sachant que la musique, comme nous le savons tous, la musique attire. Oui. La musique, on sait bien que depuis dans les cieux, il y avait notamment Lucifer qui était le chef d'orchestre dans les cieux. Donc il y avait toute une armée qui était assignée à cette tâche, parce qu'effectivement la musique avait déjà une importance pour Dieu. Et même on se rend compte que de nos jours, il y a tout type de musique, il y a tout type de chansons, et parce que la musique, elle a un impact. Donc je crois que ce projet a un bon cœur, si je puis dire, et j'espère en tout cas qu'il portera des fruits. Alors pour ceux qui voudraient vous soutenir, si vous souhaitez, on peut en parler un petit peu après, d'accord, parce que je pense qu'on a quelques téléspectateurs qui voudront un peu plus d'informations. Mais on va d'abord passer au chant Dio me rindo a ti. Diomerindoti. Voilà, qui veut dire en français, I surrender all en anglais, j'ai oublié en français. On va revenir tout à l'heure. Je me rends à toi. Oh, mes filles, mes célèbres.
Dieu me rindwati, on s'est rappelé de la traduction, ça veut dire je m'abandonne à toi, je te donne tout, I surrender all, je te soumets tout. Donc il y a différentes traductions, effectivement. et je pense que vous avez appris au fil des années ces chants d'abandon, mais ces chants aussi. Parce que tout à l'heure, on a parlé de la fidélité de Dieu. On a parlé un petit peu de comment vous êtes entré dans la musique, comment vous avez découvert la musique. Est-ce que vous pouvez nous parler de comment justement vous avez découvert la fidélité de Dieu ? Vous l'avez rencontré ? Bon, je suis en train de finir parce que j'ai déjà commencé un livre qui parle du voyage missionnaire que je fais. Et je suis en train de partager avec tout le monde ce que je fais et toutes les choses qui se sont passées à travers de ces voyages missionnaires. Et mon frère Valentin est au courant, il est en train de m'aider à faire le livre parce que la fidélité de Dieu, je l'ai expérimentée dans ma vie et dans, surtout dans ce voyage. Parce que je suis parti, le premier voyage missionnaire, je suis parti en 2012. Et à l'époque, je n'avais pas un bon travail. J'avais un petit travail parce que je faisais un master à la fac. Et j'ai parti comme très peu d'argent. Le rêve de partager la musique dans les églises. Et j'ai contacté beaucoup de églises, mais je ne connaissais pas ces pasteurs, ces églises. Sinon, tout simplement, je contactais par Facebook. Et après, je suis parti sans rien connaître, par exemple, des pays qui... Donc, vous étiez des gens chrétiens? Oui, des églises chrétiens, mais je ne connaissais pas de tous ces pays-là. C'était des pays qui sont très éloignés et je ne connaissais pas. Et j'avais très peu d'argent, mais j'avais un rêve qui m'a beaucoup touché et qui ne me laissait pas dormir. Je pensais... C'est le Seigneur qui veut que je parte, mais je ne sais pas comment, mais je vais le faire. Et après, pour raconter une petite histoire de beaucoup qui se sont passés, et quand j'étais à Bombay, par exemple, comme je n'avais pas trop d'argent, je pensais que l'argent de mon petit travail allait arriver à ce jour-là. Et j'avais parlé à l'hôtel de me laisser 3 jours et pour payer. Et le troisième jour, j'allais à le distributeur pour récupérer l'argent. Et il n'y avait pas d'argent. Il n'y avait rien. Et après, je n'avais pas d'argent pour payer l'hôtel. Je n'avais pas d'argent pour continuer le voyage. Wow. Et je me sentis dans une situation catastrophique. Et après, je rentrais à l'hôtel. J'ai fait ma prière. Et j'ai attendu une heure. Je retournais. J'ai fait encore une prière. Et rien ne s'est passé. Il n'y avait toujours pas l'argent sur le compte. Et à la troisième fois, je retournais à l'hôtel, mais à la troisième fois, j'ai fait ma dernière prière et je dis, bon, si c'est une épreuve de la part de Dieu, si c'est le diable qui veut que je continue mon voyage, maintenant, je veux que ma foi produit l'argent. Et en ce moment-là, j'ai mis ma carte et l'argent. L'argent est sorti du distributeur. Et en ce moment-là, je dis c'est une réponse. C'est une réponse. Et en ce moment-là, je continuais mon voyage. Et chaque situation, je l'ai surmontée.
chaque situation, parce que il y avait beaucoup d'épreuves, mais chaque situation, il y avait la main du Seigneur qui m'a soutenu. Et j'étais 3 mois, dans 3 pays, que c'était trop compliqué. Par exemple, au Pakistan, il y avait. C'est pratiquement interdit l'évangile, mais s'il y a des églises, quelques églises, mais. Et j'ai passé des situations un peu compliquées. Mais à la fin, je me suis rendu compte que c'était le Seigneur qui m'a soutenu pendant tous ces 3 mois. Amen. Et je suis encore en train de mettre en place le projet pour l'Afrique. Parce que même si je visitais déjà 2 pays, mais on n'a pas mis le projet comme il faut. Mm-hmm, on a expliqué, on a dit qu'est-ce que on doit faire, mais on n'aurait pas encore fait. Mm-hmm. Et j'espère que bientôt vont s'ouvrir les portes pour la mise en place. D'accord. Nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité. Et au travers de ce témoignage, nous reconnaissons et nous rappelons encore que c'est celui qui pourvoit. Par rapport à la rencontre que vous avez faite avec le Seigneur, lorsque vous l'avez accepté, est-ce que vous vous en rappelez? Oui, j'étais très jeune. C'était à 15 ans. À 15 ans. 15 ans, d'accord. Oui, 15 ans. J'étais très jeune à l'époque. J'avais une grand-mère qui était chrétienne et me prêchait tout le temps, mais je n'ai pas accepté avec ma grand-mère. Mm-hmm. Mais c'était un jour que j'ai décidé, et parce que j'étais en train de me moquer parfois de mes amis qui s'est approchés à l'église. Et ce jour-là, c'est moi qui ai passé devant. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à partager avec mes nouveaux amis dans l'église. Oui. Et j'ai commencé à même prêcher, j'ai commencé à jouer dans l'église, j'ai commencé à faire des sobres théâtres. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à grandir dans le Seigneur. Après, j'ai déménagé de mon village. J'étais dans plusieurs églises à Caracas. Oui. Les plus grandes églises, j'étais là-bas. J'ai joué avec des groupes chrétiens jusqu'à ce que je retourne à ma région. Et après, toujours, j'étais dans l'environnement chrétien. Et parfois, ça m'est arrivé qu'une fois que j'ai commencé à devenir chef d'orchestre et j'ai commencé à avoir des grands projets, je me suis éloigné un peu et j'ai commencé à m'éloigner du chemin. Mais je pense que la miséricorde du Seigneur toujours m'a mis au chemin encore une fois. Et parce que parfois, c'est même pas nous-mêmes, sinon la main du Seigneur qui va qui va nous tirer, qui va nous ramener à lui. Te faire venir, revenir. Oui. Et c'est ça que j'ai expérimenté aussi, parce que j'étais un peu éloigné. Mais ici, en France, quand je suis arrivé, j'étais à Nantes. Dans la ville de Nantes. Dans la ville de Nantes. Là-bas, j'ai connu une église baptiste. Baptiste. D'accord. Baptiste. Une église baptiste. Mais après, dans l'église baptiste, j'ai connu une Ivoirienne. Mm-hmm. C'est elle qui m'a montré qu'il y avait une église à Paris qui pouvait faire des contacts pour aller en Côte d'Ivoire. Et c'est pour ça que je suis venu en Siamel. Mm. C'est la première fois que j'étais, c'est la première fois que j'ai vu Barentin, c'est la première fois que j'ai vu Solange.
Et à partir de là, je commençais à aller à cette église qui c'était à Billy Rebel. D'accord, à Villiers le Bel. Et donc, vous avez parlé de la miséricorde de Dieu. Le chant qui suit parle aussi de la grâce de Dieu, la Oui. grâce incomparable. On va l'entonner. Oui. Infini, comme on pourrait le traduire en français, c'est la grâce infinie de Dieu qui a fait que vous êtes là aujourd'hui. C'est la grâce infinie de Dieu qui a fait que vous qui nous regardez aussi, vous êtes présents, vous nous regardez. Si vous avez pu vous réveiller, vous pouvez respirer. Et nous voulons bénir le Seigneur de ce que par sa grâce, il nous a sauvés. Et je voudrais jouer un dernier morceau parce que normalement, quand on fait la musique, c'est parce qu'on vient pour adorer. Et ce morceau parle de l'adoration. Même Oui. si c'est en espagnol, D'accord. bon, je ne connais pas une traduction en français, mais dit à peu près que je suis venu pour adorer Vine à Dieu. adorar a Oui. Dios. Ah. Thank you.
Merci beaucoup pour ce dernier chant. Et je suis venue adorer Dieu. Je suis venue adorer mon Dieu. J'aimerais savoir si vous avez un mot de la fin, en tout cas un mot avant de nous séparer. On avait parlé effectivement de votre projet. Si vous pouviez parler aux téléspectateurs d'une façon où ils pourraient vous soutenir ou s'ils veulent vous rejoindre. Oui, et tout à l'heure, je parlais à un pasteur qui était ici. Et il m'a dit, on va se mettre d'accord pour voir comment on peut commencer. Et déjà, parfois, je trouvais que c'est un peu difficile de concevoir la musique en tant que projet comme le Seigneur m'a donné dans mon corps. Et parfois, c'est un peu difficile de les pasteurs comprendre l'idée. Comme un frère qui m'a dit un jour, m'a dit, t'inquiète parce que si le Seigneur t'a donné cette vision, un jour, il va te donner les personnes qui vont comprendre. Parce que ce n'est pas tout le monde qui va comprendre ça. C'est un peu difficile. Mais si la Bible est... la Bible, on parle de musique, on parle de musiciens, on parle de David, on parle d'autres grands hommes de Dieu qui ont été musiciens. Mais parfois, la compréhension d'un projet dans l'Église de cet auteur, parce que déjà dans les Églises, c'est que qu'on connaît, c'est le piano, la guitare, la basse ou la batterie. Mais ce sont très peu des églises qui commencent à avoir une vision plus grande. Une vision d'un orchestre complet, une vision d'une chorale complète. Et j'étais à New York, à l'église du pasteur... Times Square Church, et c'était l'église de David Wilkerson, un pasteur très connu aux États-Unis. Et j'étais très étonné le jour que je suis allé, parce qu'il était une chorale de 300 personnes. Et il était un orchestre aussi très grand. Et c'est vrai que dans les petites églises, on n'aura pas la même quantité de personnes, mais par équilibre, s'ils sont 100 personnes, peut-être il y a 30 ou 40 musiciens. Et c'est ça qu'on veut encourager, que ce n'est pas deux ou trois musiciens qui vont jouer et que le reste vont écouter. Et tout le monde peut participer de la louange, de l'adoration. Et on doit commencer à apprendre, pas de quai d'oreille, sinon apprendre tout ce qui signifie la musique. L'apprentissage de la musique, c'est un peu dur. Et peut-être commencer avec le plus petit, ça sera plus facile pour le futur, pour l'église du futur. D'accord, donc par rapport à la question, en gros, nos téléspectateurs qui vous regardent, s'ils veulent adhérer, en fait, hein, s'ils veulent vous rejoindre au niveau du projet, comment peuvent-ils rentrer en contact avec vous? Et que peuvent-ils faire? Oui, mon téléphone, d'accord, c'est 06 66 04 82 32. Et aussi, j'ai un mail, peut-être pour le mail. Qu'on pourra éventuellement afficher lors de... Et après, ça sera une idée. Mon idée, c'est de commencer dans une église qui peut soutenir le projet. Par exemple, aux Philippines, il y avait 12 églises qui ont soutenu le projet. D'accord. 12 églises qui se sont mises d'accord. Et après, on avait des cours en plusieurs quartiers. Mm-hmm. Et
ici à Paris, on pourrait faire à peu près ça et se D'accord. mettre d'accord. On peut commencer comme une église et les autres églises qui peuvent venir à cette église pour apprendre la musique, pour apprendre le violon, pour apprendre, pas que le violon, il y a d'autres instruments, Oui. violoncelle, contrebasse, flûte. Et on peut commencer aussi par un orchestre à cordes. Ils sont le violon, l'alto, violoncelle et la contrebasse. Mais après, petit à petit, on peut ajouter des D'autres instruments instruments. comme la flûte, la clarinette, la trompette, le trombone et la percussion pour D'accord. compléter, parce que c'est ça que dit le psaume, Le psaume. le psaume 150. Oui, Et quand de il louer le parle Seigneur. un peu caché, mais il parle des cordes, il parle des bois, Oui. il parle de la représentation des bois, c'est surtout la flûte, et il parle des cuivres, la représentation surtout c'est la trompette, et il parle des percussions, qui c'est la représentation c'est des tambourines, Oui. et c'est un orchestre. Exactement, exactement. Eh bien, nous allons afficher également ses coordonnées téléphoniques et son adresse e-mail pour vous qui souhaitez rejoindre donc le maître Alcides. Merci beaucoup À vous. d'être passé dans nos studios et d'avoir accepté notre invitation. Nous espérons vous Merci. revoir très très bientôt. Merci. Voilà, Au merci à revoir. vous, chers téléspectateurs, encore pour votre soutien et pour votre suivi. Nous comptons vous retrouver pour de nouvelles émissions par la grâce de Dieu. À très bientôt.